Alors je me penche pour prendre ces derniers mots. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Je suis désolée de te le faire répéter, mais je comprends pas ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, mon amour. Un Bloody Mary. Lui, ce qu'il aimait, c'était picoler et bouffer. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai connu à l'Express. Attends, quand j'ai connu Revel, quand il dirigeait l'Express, il allait de bureau en bureau pour faire ses mini-conférences de rédac. Et il y avait un mec qui le suivait avec un chariot roulant, hein, comme un chariot de petit-déjeuner, avec toutes les bouteilles. Et Revel s'asseyait, le chariot se garait là, et il choisissait tel pinard, tel... C'est incroyable. C'était comme la perfusion. C'est un peu comme un drogué qui aurait été sous le plat. Tu sais qu'à la fin, on lui avait dit, si vous continuez à boire, vous ne pourrez pas vivre 6 mois. Ouais. Quand on est sorti de l'hôpital, on est rentré à la maison, et avant de monter, on a une brasserie en bas de chez moi. Il est arrivé, et il a dit, deux coupes, non, la bouteille. Ouais. Faut fêter ça, il me dit. Ouais. Ouais. Et il a bu jusqu'au bout. Il aimait ça, quoi. Mais attends, je peux raconter, je te l'ai déjà raconté. Ah, raconte, si tu ma chérie. Veux. Il a, à la fin, il parlait très mal, tu vois, il était vraiment très, très, très mourant. Il essayait de me dire des choses, et moi, avec Jean-Henri, parce qu'elle nous l'a raconté. Parce qu'elle est drôle. J'ai raconté. C'était très, très mourant. C'est un mot sublime. Quelqu'un qui est très mourant. Ouais. Et oui, c'est ça, très mourant. Alors, je me penche pour prendre ces derniers mots. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Je suis désolée de te le faire répéter, mais je ne comprends pas ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, mon amour. Un Bloody Mary. Mais en général, les personnes qui aiment manger, boire, etc., les vrais plaisirs de la vie, aiment aussi... Le cul? Non, pas du tout. Ah, il compensait. C'est un intello, Jean-François. Ah oui. C'est différent. Et son fils est bouddhiste. Non, non, Péry, tu dois choisir entre la braguette et le beaujolais. Tu vois ce que je veux dire? Pas tout avoir. Donc, Thierry, quel est ton choix? La braguette et le beaujolais. Non, la braguette, voilà. Non, ça, je dois dire, je pense que ça doit être terrible pour un homme de... Mais elle t'explique qu'il était torché. Merci. C'est pas le moment de déconner. Ah bon, on veut baiser encore un peu. Mâchons. Enfin, moi, je l'ai eu comme directeur à l'Express. Ah oui, oui, voilà, oui. Et c'était un très, très bon directeur. Bien sûr, oui, c'est un mec génial. Intelligent. Sachant reconnaître les qualités des gens, ce qui est agréable. Et pas du tout avoir les petites mafias. La Guylaine ajoute, et quel baiser. Et une bite énorme. Et alors, comment ça fait alors? Parce qu'on disait tout à l'heure, quand tu as vécu, parler de nos parents, quand tu as vécu 50 ans, comme mon père et ma mère. Tu dis, c'est un bras qui te manque, moi, c'est la moitié qui manque. Ouais. Tu te retrouves, quand tu as été un couple pendant 43 ans comme moi, je me retrouve seule, c'est très, très, très perturbant. C'est bizarre, très, très, terrible, terrible. Je suis sûr. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les recettes des uns et des autres pour être heureux après tant d'années. C'est ça. Ouais. Après tant d'années, ah oui. Comment fait-on pour continuer à être heureux et pas à s'emmerder? Après la mort de son... Non. Non. Parce que toi, c'est ce qui intéresse aujourd'hui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.